Mes très chers amis, alors concernant notre cher ami PHN, n'est-ce pas, le Bernard-Henri Lévy Padiane, eh bien, il faut savoir une chose, c'est que sa femme est américaine et que sa femme travaille aussi pour un bureau, aussi et encore une fois, du renseignement, mes amis. Alors, on va regarder une petite vidéo sur M. Nekaz, comment il veut dénigrer son pays et, ma foi, le salir. Parce que c'est sa mission, vous comprenez? Il est là pour salir son pays. Il est là pour dénigrer son pays. Et quand on vous dit que c'est un traître, traître à la nation, qui a voulu se présenter comme président? Bien sûr, il fait rêver les jeunes avec ses cheveux à la BHL et sa chemise légèrement décolletée. Vous voyez le truc? Donc, vous allez voir comment M. Nekaz a été interdit de rentrer à l'ambassade d'Algérie à Marseille. Et vous allez comprendre aussi pourquoi BHN est un vendu du système. Je vous mets la vidéo et vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez. Hop là, Monsieur Nekaz, l'agent du système. La transparence, transparency. Du système, le monsieur le remet bien à sa place, lui fait savoir que monsieur Nekaz, vous racontez n'importe quoi, mais comme lui-même est un agent sioniste, un agent, il ne faut pas oublier aussi cette petite précision. Vous savez que les rebelles berbères sont en bis-bis avec Bernard-Henri Lévy et bien sûr avec le sionisme. Suite. Oui.
Vous voyez le manque de respect. Ne parlez pas tous en même temps. Mais tu te prends pour qui, BHN? Tu te prends pour qui? Suite. Il y a un grand changement en Algérie. Oui. Il y a un grand changement. Nouveau premier ministre, Bachab. Bachab. Vraiment, ça fait plaisir. Par rapport à... Ça fait plaisir. Au bout de ça, on a un ici, il y a un très très grand changement. Exactement. Mais c'est ce nouveau consul. Il faut d'abord que j'aille voir. D'ailleurs, le nouveau consul, c'est un merveilleux. Il voit les gens. Voilà. Il a un problème, il te reçoit directement au bureau. C'est que ça reste dans la prison. Voilà. Ça en a besoin. Monsieur, on est fiers. On est fiers. On est fiers de notre pays. On est fiers. Vous n'êtes pas arrivé à Chagallou. Non, si vous venez dedans. Non, non, je ne fais pas. Je ne fais pas. Respectez. Mais comment il parle aux gens? Vous voyez, ça aussi, c'est un signe de manque de respect. Oh, 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 je suis en train de dire quelque chose. Oh, je veux dire quelque chose. C'est quoi ça? C'est quoi? Il a vraiment tout dans l'attitude et même dans la coupe de cheveux, ma foi, tout d'un impérialiste sioniste. Suite. Les services du consulat actuel. La qualité de service est davantage améliorée. La prise en charge des préoccupations socio-économiques du citoyen, il y a une qualité de service. C'est une histoire à l'escalier. Alors, est-ce que vous pensez que le monsieur qui interpelle BHN est un vilain barbu? Est-ce que vous pensez que ceux qui ne veulent pas de BHN sont tous des extrémistes? Eh bien non. On en revient encore une fois à Guy Debord et la société du spectacle. À chaque fois, je vous fais une piqûre de rappel avec Guy Debord, mais c'est bien qu'il y a une raison. Et la raison, c'est celle de l'identification. Donc, quand ces jeunes voient ce mec millionnaire qui a réussi sa vie, qui est marié à une Américaine, eh bien, ça les fait un peu, ma foi, triper. Vous comprenez? Suite. Mais là, j'ai été évolué. Mais si vous essayez de ternir l'image, la marque des services, non. Et vous voyez ce manque de respect
à appeler les gens Roya. Un monsieur plus âgé que lui, il l'appelle Roya. Manque de respect. Manque de respect comme l'entité sioniste. Suite. Il n'a même pas le droit de rentrer dans un consulat, il a fait votre attiration. Je veux travailler ici. Alors, vous ne laissez pas aller. Non, non, vous ne pouvez pas, ça ne sert à rien. Vous prenez votre parcours. Déjà, les gens, oui, mais pourquoi ils parlent, pourquoi? Parce que je pense à Yassine, je pense à Abdelwakil, et bien sûr, je pense à vous, Algériens, qui êtes pour une grande majorité musulmans faisant partie de ma communauté. Suite. Mais d'où sort-il tout ce pognon? Si c'est pas sa femme, la grosse feuge qui l'aide,
ou si c'est pas l'entité sioniste. Suite. Et vous voyez, le vicieux, il sait très bien que en parlant avec des jeunes qui sont un peu le swag, eh bien, ces jeunes-là leur renvoient l'image qu'ils aimeraient bien avoir. Par contre, avec le monsieur avec les lunettes, qui a très bien compris qui il était. Mais il a voulu nous la faire aussi, à nous, à l'envers, à vous, Algériens de France. Vous ne devez pas soutenir cette racaille. Vous ne devez pas soutenir cette racaille. Suite. Je suis là. Tout ça va dire.
La berbérité de l'Algérie, il faut la conserver. Avec Bernard-Henri Lévy à la tête de la berbéritude, eh bien, oui, là, on pourra les appeler la Kabylifornie. Vous comprenez ? Suite. Allez, on va arrêter le spectacle parce que de l'entendre jacter simplement me fout la berge. Gerbe, excusez-moi. Rachid, les cases sur le 2.0. Ciao.